voici Nunu et Willem, le garçon et son Yeti. Quand Nunu découvrit que le monstre de la légende avait seulement envie de jouer dans la neige, il se lia d'amitié avec lui et ils devinrent les meilleurs amis du monde et des junglers qui excellent à sécuriser des objectifs et à protéger leurs camarades. Les aventures, c'est toujours mieux à deux. Bienvenue dans le Focus sur Nunu et Willem. Le passif de Nunu et Willem est Appel de Freljord. Infliger des dégâts aux champions, aux grands monstres ou aux bâtiments fait bouillir le sang de Willem et d'un allié proche, ce qui augmente leur vitesse d'attaque et de déplacement. Appel de Freljord cible en priorité l'allié qui a la vitesse d'attaque la plus élevée. Pendant ce temps, les attaques de base de Nunu et Willem ont un effet de zone. Willem, reprends du poil de la bête! Le A de Nunu et Willem est Voracité. Willem mord un sbire ou un monstre, lui infligeant des dégâts bruts et récupérant quelques PV au passage. Il peut aussi mordre un champion ennemi, mais les dégâts sont alors magiques. Le soin est beaucoup plus important quand il reste peu de PV à Nunu et Willem. En combat, Voracité peut être utilisée pour attaquer l'ennemi ou pour lui tendre un piège si vous avez peu de PV. Mais l'utiliser pour voler le baron ou le dragon est le meilleur moyen de rendre fous vos adversaires. Le Z de Nunu et Willem est boule de neige géante. Je viens de me rendre compte, les boules de neige n'ont pas de frein. Willem fait rouler une boule de neige qui grossit et accélère. Percuter un mur, un champion ennemi ou un grand monstre lui inflige des dégâts et projette en l'air les ennemis proches. Les dégâts et la durée de la projection augmentent avec la taille de la boule, jusqu'à une certaine limite. Réactiver la compétence permet de lancer la boule droit devant. Quand vous maîtrisez le sort, essayez de faire rouler la boule de neige dans la jungle pour attaquer des monstres ou pour ganker les ennemis de façon inattendue. Nunu et Willem à la rescousse! Nunu et Willem s'en sortent mieux avec des objets de tank, mais vous pouvez très bien renforcer votre Z avec de la vitesse de déplacement supplémentaire et la rune prédateur pour provoquer une terrible avalanche. Le E de Nunu et Willem est Rafale de boule de neige. Nunu lance jusqu'à 3 rafales de 3 boules de neige en quelques secondes, blessant les ennemis et marquant les champions et les monstres avec lien glacé. Tous les ennemis affectés par lien glacé à portée de Nunu et Willem sont ensuite immobilisés. Les ennemis touchés par les 3 boules d'une rafale sont ralentis, mais cela ne peut se produire qu'une fois par ennemi pendant la durée du sort. Votre E a un petit effet de zone et peut donc frapper plusieurs ennemis s'ils sont regroupés. En début de partie, essayez de ganker pour donner l'avantage à un de vos alliés. Si l'adversaire refuse le câlin du Yeti, ralentissez-le avec une bonne rafale de boule de neige avant de l'envoyer 6 pieds sous terre. C'est donc ça un effet boule de neige. L'ultime de Nunu et Willem est zéro absolu. Nunu et Willem aspirent la chaleur autour d'eux, obtenant un bouclier et ralentissant de plus en plus les ennemis affectés avant d'infliger d'énormes dégâts à ceux qui sont restés dans la zone. Zéro absolu peut être annulé prématurément, mais le ralentissement et les dégâts augmentent sur la durée. Gardez vos ennemis au frais en combinant votre ultime et rafale de boule de neige. Après avoir marqué vos ennemis avec lien glacé, activez zéro absolu avant que votre E ne les immobilise pour vous assurer de les refroidir. Votre Z est idéal pour ganker ou vous déplacer, mais il est aussi essentiel pour tuer les monstres de la jungle. Comme la boule géante permet d'éliminer rapidement plusieurs cibles, vous pouvez suivre un itinéraire qui rebuterait plus d'un jungler, comme passer du bœuf rouge au corbin, puis au loup. Lorsque vous êtes prêt pour la bagarre, faites rouler une boule de neige géante. Une fois au cœur de la mêlée, déchaînez votre rafale de boule de neige pour tisser des liens glacés. Et pour calmer les ardeurs de vos adversaires, activez zéro absolu. La prochaine fois, ils y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre un Yeti. Oh, cette boule de neige était trop! Aventurez-vous aux quatre coins de la carte. Nunu et Willem sont capables de terrasser le dragon seul, puis de traverser la rivière et la jungle. N'oubliez pas que la boule de votre Z a beau être géante, il lui faut quand même du temps pour rouler et vos ennemis les plus malins sauront l'éviter. Néanmoins, continuer dans la même direction permet d'effectuer des virages plus serrés. Avancez tout droit et vous pourrez faire des dérapages impressionnants. Lance ton cri de guerre, Willem! Non, pas celui-là! Faire rouler la boule de neige géante vous protège des ralentissements, mais les contrôles de foule puissants vous arrêteront. Oh, peut-être pas. Attends, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi, Nunu? Pourquoi? Merci d'avoir regardé le Focus sur Nunu et Willem. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur le garçon et son Yeti.